marche, Danny, hein, je te préviendrai, ouais, t'inquiète pas. Le mec dans la Bible avec la patate dans les cheveux, c'était Samson. Et Franck, tu utilises le skin Frost Franck. Frost Franck. Ouais, fait un truc avec de la glace et Franck. Où il disait que bon, il modderait pas sa Wii U pour ça, mais du coup, là, il aurait juste envie de faire plaisir à Jean, lui montrer que son travail, j'avais fait le signe des guillemets, ouais, n'a pas servi à rien. Du coup, ils font un match Pokémon, donc ils sont allés sur le stade Pokémon. Ouais, c'est mignon un peu. Ouais, dans le milieu, on appelle ça des gros fags. C'est ça. Mais j'allais dire des grosses tapettes, moi, mais. Bon, bah, du coup, ok, faites comme vous voulez. La role, ça fait genre 30 secondes qu'on joue, elle a déjà été lue. Ça, c'est pas bon, ça. Oh mon dieu! Ah, calme-toi! Ça va. Ok. Du coup, je pense que c'est un match-up où vraiment Pikachu il peut mettre une grosse pression à Dracaufeu. Hein. S'il commence à le juggle après, pour retourner au neutral, ça peut être dur. Hein. Je pense aussi, mais à vrai dire. Moi, je pense que Pikachu il a le match-up. Pourquoi? Parce qu'il y a le type électrique et Dracaufeu du type vol. Mais oui, t'es, dégage, il a fait attaque séisme. Ta gueule. Je donne smash attaque séisme. Merde, c'est quoi qui a tué là? Une attaque. Dans le premier paire? Ouais, bien sûr. Ah, d'accord. Non, il a fait URB. C'est pas. C'est pas. Higo, il est petit, donc c'est un débat. Mais ce qui est rageux quand il en prend 6 millions. Et oui, c'est drôle parce que j'ai les deux Mentio avec moi. Et ils sont tous les deux en train de pas travailler. C'est pas Jean le Mentio? Je suis au cœur. Jean, c'est le Mentio. Il a les clients. Et du coup. Voilà. Galère et qui va commencer à piffer comme on le connaît bien. Ah bah, si je me trompe pas, son pseudo c'est Pif Franck. Ouais, Pif Franck. Il en a plusieurs. Et ça, ouais, y a quoi d'autre ? Il y a Pif Franck, il y a FFF, c'est Franck for Fun. Et après il y a FFA, c'est Franck for Anna. C'est quand sa copine m'oblige à jouer avec elle en 2v2. Et donc du coup, il s'amuse pas mais il fait semblant. Du coup, on appelle ça Franck for Anna. On va balancer ça sur un stream, ouais. Quoi ? Non. Et ouais, il a plein de pseudos, il a plein de pseudos. Je veux sourire, donc. Du coup, c'était un plaisir de te connaître. Toi aussi. Donc, quoi qu'il en soit, Dracaufeu qui mène pour l'instant avec un stock confortable d'avance. Je vais essayer de vraiment commenter ça, c'est un 7 en tout cas. De son côté, Franck qui a beaucoup de mal dans l'ensemble. En fait, dès qu'il est au sol, dès qu'il n'est pas lui-même en train de mettre la pression à Fire, en train de jouer un petit peu sa mobilité, quand il s'agit de jouer le neutral game et que Fire est bien les pieds posés sur le sol, il n'arrive pas du tout à gérer voilà, la range, les hitbox et la vitesse de Dracaufeu. Il fonce dans ses coups. Là, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, encore une fois, ça aurait pu être un peu mieux timé, ça aurait clairement frappé dans la quick attack. Du coup, ce stage qui profite légèrement à Pikachu comparé à Dracaufeu, enfin. Avantage, ça doit être normal voilà. Par rapport au Wild Jump. C'est l'entière ultime sub smash. Hein, ouais, pas de... vraiment. Du coup, ouais. Là, je sais pas si Franck va switch. Il a 2 secondes. Il a Pit et Mars. C'est drôle. Il a Pit et Mars, ouais. Ouais. Prends Little Mac. Je pense. Je sais pas s'il ferait bien de switch. Mais. À mon avis, il va tenter Mars. Hein. Ah ouais. C'est chaud comme matchup. Oh. En fait, c'est clairement pour Mars, mais tous les match-up épéistes contre Draco, si tu les connais pas, c'est un peu chiant parce qu'il a pas mal d'outils qui sont super bien contre les épéistes. Genre toute la range sur le jab, ouais. Le fer, ouais, mais il est pas du tout le jab. Fais gaffe. Du coup, il est pas parti sur. Ouais. Ouais, sur Smashville, je pense que Franck va essayer de mettre un peu plus de pression et de lui coller un peu plus dessus. C'est quoi là? C'est le 4ème Marseillais contre le 1er Strasbourgeois. Franck, est-ce que c'est le 4ème Marseille? Ouais, je crois, ouais. Aïe, aïe. Si, il joue encore Pete en second, il joue Pete et Marf. Mais en ce moment, il sort un peu plus Marf quand même. Il sort un peu plus Pikachu en tout cas dans ce set. Oui, c'est vrai. Et là, ça semble. Oh, très très joli ça! Franchement, ouais. Il a rien fait derrière, mais ça montre vraiment que ses hitbox, ses follow-up, il les connaît et juste le jab 1 là. Ça oui, il aurait pu faire un jab complet en fait. Je sais en pas s'il si attendait pas. Quelque chose derrière, je une mauvaise réaction ouais, au stage. Souvent quand tu fais un jab 1 à cet endroit-là, c'est pour empêcher l'autre de prendre l'edge ouais. Et ensuite tu mets un aérial. Et c'est le genre de phase automatique que spécifique à un joueur, tu vois. Peut-être qu'un autre joueur de Dragon Ball aurait fait jab entier. Là, Fire, je pense qu'il a tendance à faire ce jab 1. Mais juste ouh là cas, là, est-ce que ça tue, ouais, ça tue. Très beau dans le B1 de Franck qui a attendu, il a couru. Le back air à l'edge qui a failli tuer. Ouh là là. Il est pas au point sur les punitions de. Non. On voit qu'il connaît Pikachu, sans doute parce qu'il l'a joué. Mais
Il le jouait sur Smash 4 aussi. Pas beaucoup. Enfin oui, oui, il a sorti en tournoi hein, pas mal de fois. Il aime bien dire qu'il est nul avec Pika, etc. Même si, voilà. Ouais, Franck qui du coup a fait un très mauvais appui. Fire qui a bien fait de se retourner pour faire son Smash en entier. Hein. Il sait que évidemment le dos ça risque pas de toucher. Donc patiemment il trouve sa punition. Ouais. Ouais, Fire qui mâche bien. Hein. Franck qui peut mal en fait très souvent et là du coup bah. Là du coup il a vu que Fire s'en va. Ça fait une bonne petite punition. Fire qui. Ouais, oh là là là. Les chigrabes hein. Mais là, Fire qui. Et perso avec un chigrabe comme ça, c'est dégoûtant. Comme je disais tout à l'heure, bon là ça se passe un peu mieux quand même cet aspect dans ce match. Mais en gros quand Fire a les pieds sur le sol, Franck galère mais vraiment à fond. Ouais, galèrement. Genre il se frappe dans la garde, il se chigrabe, il se prend des jabs out of shield. Ouais ça va pas. Il faut qu'il joue davantage sur sa mobilité, sur des cross-up. Bon, un match quand même qui est un peu plus serré que le premier. Ok. Un coup en l'air, mais ça respecte trop. Il a pas 40 sauts, hein. Il va être obligé d'atterrir à un moment. Oh mon dieu là, là, quoi. Ok, normalement ça, ça marche pas. Quand tu peux prendre de face ce coup. Ouais, normalement. Oh là 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 là, mais il court. La DI est bonne, mérité. Mais ça suffira pas. Tu vois, il y a des gens dans le chat qui défendent Fire alors que quand même il a refusé de jouer contre un Itamac. Ah bah clairement, après s'il y en a qui, veulent, qui se sentent ouais, qui s'identifient à quoi, ça. Voilà. Ok. Ouais, ça va se faire sur grave, non? Un peu gourmand. Ouais, et la petite Franck, 3, 3 fois en smash, 3. C'est un succès, mais. Ouais. Eh, c'est là, oui. Ouais, mais ça, c'est le rituel d'invocation, de toute manière. Il charge la jauge de piste. C'est ça spécial. Avant d'aller en Italie, il en faisait 3. Ouais. Maintenant, il commence 4. Ah, ouais. Il s'est dit, voilà, je pense que c'est mieux. Il est passé au niveau supérieur. Ouais. Bientôt, il fera plus que ça. Ouais. Ouais, final form. Il tue au F-tilt et il gratte. Ok. Ouais. Il tombe dessus mais il n'a pas de toujours été. Rolling, il a pas eu ça. Non mais ça marche. On voit Kaora qui connaît très bien Fire dans le chat. Ah bah en termes de collabo, il s'y connaît hein. C'est clair. Je te rappelle que c'est quand même un des fervents défenses pour moi. Du coup. Franck, nous sommes tous en mauvaise posture, certes. Mais encore dans le domaine du faisable, Smash le était bien vu de la part de Fire. Ouais, du coup, il a envie d'en abuser, d'en refaire un autre. Ah bah là, il lui dit, mec, si tu sautes face à moi, à 100%, j'ai rien à perdre. Ouais, c'est clair. Okay. Pifranc arrive. Ok, Fire qui, sous pression, commit sur plusieurs sauts pour revenir on stage. La dash attack. Le feu est parti, c'est bon, j'ai eu un bel angle de la part de Franck. Oh, la papate! La papate, évidemment, hein, forcément. Tu sous-estimes la papate,